Hello les gens sur Ultra, et aujourd'hui on se retrouve pour le 10e épisode de mon walkthrough sur The Amazing Spider-Man 2, et j'ai enfin récupéré Internet. Voilà, du coup on va pouvoir y aller, et on va affronter Electro. Eh bien, apparemment il faut détruire des générateurs, du coup c'est ce qu'on va faire. Tu te ridiculises, Spider-Man, mais continue, je t'en prie. Ok, c'est parti, mesdames et messieurs. Je porte le costume d'Alex Ross, hein, pour ceux qui se demandent. Viens voir Spider-Man. Ça me servira. J'ai bien un costume pour te réduire en cendres. Tout le monde s'en fiche. Je vais les forcer à reprendre conscience. Impossible de traverser ce champ de force. On dirait qu'il est alimenté par le courant de ses générateurs. C'est pour ça qu'on va utiliser les allées bien sombres. Ah! Putain, mais il y en a beaucoup trop, va falloir que je les affronte en fait. Si je détruis pas ces générateurs, je ne pourrai pas m'approcher de Times Square. Alors, toi, viens ici. Ah non, faut que je trouve le suivant. Il est juste en dessous. Pas de temps à perdre avec toi, la sec. J'avoue avec Spidey, ça serait cool si tu pouvais ne pas faire de la merde sur l'étoile. Oh putain, tu me saoules. Oh, tu me saoules. Impossible de traverser ce champ de force. On dirait qu'il est alimenté par le courant de ses générateurs. Enfin. Alors, deux secondes, hein, parce que j'ai pas envie de me faire bolosser par des vaisseaux. Hein? C'est gentil. Tu vas mourir. Toutes les personnes présentes sont condamnées. Est-ce que tu bouclier. Times Square, me voilà. Il reconnaît ce type. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je t'avais pourtant prévu. Tu vas le regretter. Oh non, il a le pouvoir du TP. Si on te connaître, Max Dillon. Tu ne t'en souviens même pas. Tu as dit qu'on était partenaires et que je devais être tes yeux et tes oreilles. Je m'en souviens. C'est bien ce que j'ai dit et je le pensais. Menteur! Tu m'as abandonné! Abandonné dans cet endroit. Tu les as laissés me faire du mal. J'étais tout seul dans le noir. Raciste! Why are you gay? Max, j'ignore ce qui vous est arrivé. Je vois bien ce que vous ferez. Je ne peux rien faire si vous ne coopérez pas. Et t'en mort. Thank you.
Franchement, c'est pas une raison pour devenir comme eux. Pour un type électrique, t'es pas brillant. Oh. What? Ah! Oh! Pas de pique-nique pour toi, Electro. Mais je t'ai jamais envoyé à Gravencroft. Max, je viens d'apprendre ce qui se passe. Inutile de battre contre moi, va tout raconter à la police. Ensemble, on peut les arrêter. Ouch. J'aimerais m'occuper de vous individuellement, mais je suis très pris. Mais putain, t'es censé être en toi les connards. C'est comme un film catastrophe. Juste pour toi. Je vais devoir me passer de ma toile un moment. Ok, c'est bon. Mais j'en peux plus. Putain, heureusement qu'il y a un toit juste au-dessus, hein. Oh putain. Allez, c'est enfin la fin! Oh putain de merde. T'es chiant, hein. Oh non, c'est bon, tu vas pas me relancer dans les airs, hein. Oh, tu saoules. Spider-Man ne tue pas. Il te bolosse juste très très fort. Non, tout devient noir. Raciste. Difficile de pas avoir pitié de lui. C'est une victime. Et si ce qu'il a raconté sur Ravencroft est vrai, je dois condamner cet endroit. Alors j'avais peut-être coupé le son. Peut-être. Harry peut peut-être nous aider. J'ai peut-être pas fait exprès, peut-être. Oui. Monsieur Osborne, vous aviez raison. Chris cachette les parts d'Oscorp pour tenter une OPA hostile. Mais tant que vous êtes là, nous pourrons l'en empêcher. Ouais, tant que je suis là. J'ai la formule, monsieur. Du venin d'araignée de Richard Parker. Mais elle a entraîné de graves effets secondaires à chaque fois qu'on... Plus grave que la mort ? Je prends le risque. Laissez-moi! Oh boy! Docteur Kafka, c'est une réaction normale? Non. Il faut tout arrêter. Les pédales. Il faut que j'arrête ces bombes. On a un dispositif suspect à Midtown East. À toutes les unités, évacuez la zone. Allô ? Ok, je peux pas m'accrocher alors qu'il y a de la toile. Enfin bref.
Qu'est-ce qu'on va se faire? Je crois que j'ai fait tous les... Ah non, il y a un repère secret juste à côté d'une des bombes. On va aller se faire un repère de russe. Écoutez. Alors t'as pas intérêt à déclencher la mission des bombes, hein. Hey, c'est moi qui essaie d'arrêter vos bombes. J'ai encore des frissons quand je combats des malfrats. Un par toi. Je vais te défoncer la tête en toute légalité. C'est autre chose que d'affronter des pickpockets. Ce que je préfère dans mon job, c'est cogner des ordures comme toi. Je t'avais pas vu, mais moi ça me va très bien. T'es qu'un gamin, mais... Tu vas te déguster. À moi, maintenant. Qu'est-ce que tu devrais changer chez toi? Tout. Ouais, voilà la bombe maintenant. Et j'en fais quoi de la bombe? Ah! Il faut que j'aille au fleuve, et vite! Oh putain de fleuve! J'adore ce truc! On peut au moins juste annuler les trucs de connards qui me défoncent le chemin, non? Peut-être? Oui? Ok, si on les annule, moi ça me va. Hein. Je peux aller au fleuve alors. Ah, c'est la meilleure façon de tomber sur les fesses! C'est pas passé loin. Et une miniature, une. Mais mange tes morts, je dois aller là. Mais tes mineurs sont en route. Ok, c'est parti, mesdames et messieurs. Le repère de russe. C'est normalement le dernier costume. Je veux pas que je trouve ce qu'il y a là-dedans. Mais je suis un incorrigible curieux. Ouh, c'est Scarlet Spider, c'est vrai. Et en plus, il risque d'y avoir pas mal de skins dessus. Je vais éviter de faire ça, je pense. Hein. Ouais, surtout qu'il y a pas mal de gens qui regardent. Je sais pas si j'arrive comme as. En mode yo, salut les gens, c'est Spider-Man. Ça va pas être ouf. On va pas se cacher. Oh boy. Tu vas être chiant, toi. Hein. Viens pas par là, viens pas par là, viens pas par là, vite, vite, vite. Ok. J'ai failli me chier dessus. Mais attends, mais c'est trop simple, genre. Genre là, en fait, j'ai mis les deux gardes et je viens. 3. Certes. Est-ce que c'est vraiment plus un problème? Non. Y a plus que toi, Boy. Et tu vas pas faire chier très longtemps. Je vais venir te cueillir tout de suite. Wow, ce truc ferait un super costume de styliser tout dessus. Et voilà. Avec seulement quelques ennemis et du premier coup, on débloque le costume de Kane. Que j'apprécie pas tellement, même s'il est très stylé, hein, contrairement à celui de Miles. Swag. Bon alors, maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on va se quitter ici. Je vais pas encore faire toutes les bombes. On va réserver ça au prochain épisode. J'espère que je pourrai mettre un costume très stylé. Et sur ce, je vous dis...
Ciao. Eh merde! Vous êtes encore pire en protection qu'en service. On aimerait plutôt s'affronter en breakdance. Oh, tu pourrais pas être plus ridicule que maintenant. Allez, retourne-moi sur tes bancs. Fusillade. Je dois y mettre un terme, et vite. Pas d'acrobatie. Tu vas te battre comme un homme. Dommage, je ne fais pas peur. Tu vas adorer ça. En tout cas, moi, j'adore. C'est un gamin maigrichon, hein. Au fond, t'es qu'un gamin. Tu dois connaître la vérité. C'est pas si effrayant. Pas d'acrobatie. Tu vas te battre comme un homme. Quoi? Hey, toi, c'est quoi? The Van. Oh, fais pas ça! Pourquoi? J'essaierai de moins t'humilier. Je prends quand tu veux, mano à mano. J'ai l'impression d'être une brute. Spider-Man et Calif. J'aimerais bien aller au métro.